Putain, Nani. Ça va, il m'en a l'air d'en avoir pas beaucoup. Début de l'iceberg. Défense, il met le canon. Il y en a 3, 4. Tout va bien. Les grenades, ça leur fait aucun dégât. People qui a. Je sais pas si t'as vu. Toi tu peux mettre des balles comme dans Tarkov. Ça c'est dans Gamma. Non, tu es jeune. Tourne. Non, il crache. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, change de truc. Elle m'en remet où là? Ah oui, on est au lobomisateur. Lobo, je sais pas quoi. Il y a des monolithes dedans. Pour ça, il y a peut-être un espoir ici. En train d'essayer de le réactiver ou je sais pas qu'est-ce qu'ils font. Ils ont rien à faire là-dedans quoi. Oh, j'en suis sûr. C'est chez moi. Ça bouge un peu hein.
D'accord, un sûr, je l'entends marcher. J'ai pas besoin de ça. Même si j'avais besoin un peu de sous, mais bon, je garde des balles chez moi. Le jeu est fini. À peu près fini. Il va pas se donner. Hein. Arrête de m'assommer toi. Aïe. 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 Oh putain, j'ai gueulé. Allez, viens des. Tout va bien se passer. Wow. Fini la violence.
Aïe. Aïe. Vas-y, frappe dans le dos. Putain, mais arrêtez de me lancer des trucs. Arrête! Oh putain! Ah vas-y, faut leur délire. Je peux même pas avancer. Attendre qu'ils viennent, mais je suis même pas sûr qu'ils vont venir. En train de traîner là-bas. C'est cet enculé. Waouh 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 waouh. Ils ont mis tout le monde. Cache quelque chose. Ah, si c'est pas là-dedans qu'il n'y a pas un truc là-dedans, toi. Ah, si.
T'en fous, tu descends pas l'escalier. Aïe, oh putain. Il fait mal. Oh lolo. Le problème, c'est pas spécialement lui, c'est les autres derrière, les petits là. Même si lui, c'était quand même un problème. Il y aurait que ça. Tout va bien. Faudrait que j'arrive à tuer le petit et je me barre. Salut, bande de salopes! Salut Oni, comment vas-tu? Oni Zuka. Ah, ça va bien, merci. Il faut qu'il descende. Arrêtez! Merde, je vais pas boire un coup. Va être compliqué. Hein. Faut que j'arrive à choper les deux derrière. Alors j'y vais avec zéro balle. Ça va pas aller. Ah, bébé. Il y a un peu lui dans le couloir, quoi. Je vais te regarder tous les 5 secondes, hein. Voire 2.
C'est chiant parce que même dans les airs, tu te le prends. Je suis mort. Il y a tellement qu'un mob de long à charger. Parce que là, ça a été dans un couloir, normalement ça va assez vite. Une tempête dehors. Je l'ai eu ? Non, je l'ai pas eu. Je vois cette tête. Mes possibilités. Ah, il m'en reste pas beaucoup. Vendre mon âme au diable. Déjà fait. Dégage ta gueule, toi. Arrête de avec ton bouclier de merde. Voilà, lui est mort. Sauvegarde. Et on court, 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 on court. Aïe. Oh putain, mais il me déglingue. J'arrive à passer ça. Je sais pas comment je vais faire pour le tuer lui. Un putain de tank. Un sac à PV. Ah, il me reste peut-être un petit truc. T'as rien fait du tout. Ah.
Peut-être tirer un peu trop haut. Mais... Oh, il a bien morflé. Oh putain, j'ai pas de balle. Oh. Je voulais mettre une balle de snipe. Chargeur les vides. À chaque coup, je vais par là. Bouge! Mais j'ai pas le temps de changer de truc. Bonjour. Je n'en peux plus. Ah ouais, t'es comme ça. Je lui pète un câble. J'en peux plus du jeu. On a sauvegarde d'avant.
Salut Zinzou, ça va? Il est mort! Cours! De toutes tes forces! Il me lâche pas! Ouais, ça va nickel! On balance des caisses toute la journée. Et ça va. Mais bah. Arrête. Ils font mal, hein. C'est lui là qui fout de bordel. Ouais, je l'ai déjà fait, puis il est passé en français. Alors, du coup, on va pouvoir faire les trois fins. Il nous manque. J'avais trop hâte qu'ils passent en français. Ils l'ont fait. Franchement, j'y croyais pas, hein. Mais ils l'ont fait. On va passer là. Putain, il me saoule à balancer des trucs, lui, là. Oh, sa gueule. Il en reste un petit. Il y en a encore deux au moins. Bah au moins on va pouvoir comprendre comment on fait les invocations. Bah comment on fait pour le purifier quoi. Je sais pas comment on dit. Bon. Un coup. Rien faire contre ça. Ce que je fonce, c'est que j'essaye de les tuer quoi qu'il arrive. Je peux mourir 100 fois. Je peux pas me planquer. Sauvegarde, y en a un de mort. On fout de lui.
Il y a encore des contrôleurs. Bien. Salut petit cornu, comment vas-tu? De quoi? Ouais, mais j'en ai pas, j'ai que des balles de merde. Après, j'ai des AP, mais c'est pour les gars. Ouais, faut foncer dessus. Hein. Il y avait un pseudo géant avant. T'as vu, je suis mort de quoi? En santé mentale. T'es pas là lui, ici? Ouais, mais je peux pas, comme c'était un petit peu un endroit clos, quoi. T'as vu où on est? C'était dans la pièce avant. Ça faisait comme un S. Et je pouvais pas être trop à distance. T'as déjà fini le jeu. Je suis sur deux quêtes et je suis un peu coincé.
C'est pas un autre flingue? Et là, sur les contrôleurs, j'en ai lancé, sans te mentir, 10, 20. T'as jamais un qui est mort. C'est seulement pour les affaiblir. Bon, les contrôleurs, bon, ça va, je veux dire que ça va. Là, je suis que merde, je suis que contre des contrôleurs. Ah, c'est dur à dire ça, non? Est-ce que t'as fini le jeu? Ah d'accord, t'as joué aux originales. T'as jamais testé Gamma? ?60 balles. Beaucoup de batterie, je vais en mettre une. On va se droguer. On va manger un coup. Il veut manger. Ou 6. Salut chameau, comment vas-tu? Non mais c'est un jour, tu peux y jouer, franchement, teste-le. Parce que si t'as kiffé les originaux, original, je sais pas. Bah Gamma, tu vas surkiffer. Je sais plus quoi moi. Ouais, c'est normal, chat mort. Au début, tu te fais pas mal défoncer. Après, l'IA, elle est quand même assez forte. Après, pour te dire, j'ai une 1070, un i5. Pour te donner un petit peu. Et franchement, il tourne nickel. Après, si tu peux avoir mieux, c'est mieux. Il a encore faim? Vas-y, mange ça. C'est un mélange de Stalker et de EFT.
Ah oui, tu peux toujours utiliser les artefacts. Bon, après, c'est un truc qui m'intéresse pas, parce que j'ai peur que le perso soit trop pété. Du coup, j'en mets pas. J'en ai peut-être mis une, là. Merde. Non. Mais que des trucs qui me servent pour le poids... Non mais c'est clair, hein, c'est clair. L'IA ennemie, elle est redoutable. Bon par contre, l'IA alliée, elle est totalement conne. Faut dire le mot comme il y est, comme il est. Il me rend fou. Mais l'ennemi, des moments, ils te font des trucs de fou. Alors, j'ose plus sortir de ma grotte. En plus, je suis perdu dedans, je ne sais plus où je dois aller. Je suis dans le lobomisateur, je sais pas comment on dit. Ok, c'est par là. Sauvegarde. Ah ouais mais carrément, si je suis pas obligé de prendre le gars pour faire la quête, je leur dis de pas bouger. Aide-moi dans ma grotte. C'est quoi ça? Bah, il m'a l'air d'avoir du monde là-bas. Je crois qu'ils ont mis tous les monstres du jeu. Ouais, la façon stalker, c'est la meilleure façon de commencer. Salut, bande de salopes! Salut, Bisco, ça va? Dire une ou deux secondes? Non, tutoie-moi, petite queue, petit cornu. Et t'inquiète, je sais, petit cornu, mais je sais pas, c'est plus fort que moi, je fonce dedans. Merci, le chat mort, le chameau. De ton follow. Ça, c'est le même, mais un autre. Un autre skin. T'as les fêtes Wisco? Je sais même plus si je te l'ai demandé. Je sais même plus si t'es passé, je crois que si.
Ouais, ça a été impeccable. Bon, ça m'a l'air calme. Un bruit de robot, ouais. Ça m'a pris je sais pas vraiment combien j'ai d'heures, je dois avoir 150, 200 heures, 200 heures. Ça m'a pris au moins 120 heures facile. Plus même. Et encore, j'étais obligé de le crafter, je l'ai pas trouvé. J'étais obligé de crafter le kit. J'ai débloqué des caches violettes. J'en ai fait pas beaucoup, hein. J'en ai fait quoi, 4-5. J'ai pas trouvé le kit, rien du tout. Mais j'avais économisé pour le crafter. Chaque fois j'achetais des caisses pour pouvoir le crafter. Il en fallait 24 ou 26, je sais plus. Pas le tuer lui. Oh la vie qui m'a enlevé. Il y en a déjà des morts, hein, t'inquiète. Hein. C'est quoi ça? Oh! C'est quoi? Ah non, c'est des morts vivants. Arrête! Lui, c'est un esprit frappeur rapide. Rafale. C'est lui qui me lance les trucs là? Je peux pas le tuer lui? J'ai tiré dedans un peu et ça a rien fait. J'ai cru que c'était des contrôleurs. Je suis pas sûr que c'est des morts vivants, mais j'ai cru voir des morts vivants. Il est dur à tuer, mais il est tuable. Ok, je vais tenter de le tuer parce que il me met trop cher. Va pas toi! Je peux plus courir en plus! L'espace tool. Faut que tu regardes avec un kit. Je n'ai pas. Avec même avec un kit basique, tu peux regarder comment tu craftes. T'as un kit basique. Tu fais utiliser. Et tu vas voir tous les trucs que tu peux crafter, tu vas le trouver ton craft expert.
Qu'est-ce qu'il va te falloir? Ah, c'est les nains. Bah ouais, c'était les nains. Mais qu'est-ce que je me dis, c'est les nains. Lui, il fait que passer comme ça, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'ils font, eux? Sortir tout de suite pour sortir de la lumière. Du noir, quoi. Garde. Il n'y a plus personne. À côté. Dès que la lumière change de couleur, c'est qu'un psy ou un esprit frappeur a verrouillé la cible. Ah ok. Je peux te dire que je vois même pas quand la couleur elle change. Tellement c'est le bordel. Tant que je reste dans la lumière colorée, il me balance des objets dessus, ok. Et quand je viens jaune là. Mais la zone elle est grosse, elle est grande quand même. Encore comme un fou, moi. Ouais, voilà, il peut me verrouiller de loin, même à travers les murs. Parce que. Moi j'ai eu un psy, il m'a chopé de super loin là. Dans les banlieues. J'ai super étonné, j'ai dit, c'est pas possible. Pas dans les banlieues, c'est dans les marais. Parce que les marais, t'as pas de mur. Je peux te dire que je me suis amusé.
Ta gueule, toi. Bon, ça m'a l'air calme. Ouais, je l'ai vu. Si, si, je l'ai vu. Il a crié, même. Même l'esprit frappeur, il est dans métro. Du coup, c'est l'esprit frappeur qui est dans métro. Si, si, je m'en suis rendu compte. Mais petit cordu, tu peux me tutoyer. Hein. Y'a pas de soucis. Hein. Y'a pas tous les mobs qu'il y a. Ouais, c'est par là, c'est par là. Ça, c'était avant. C'était la première vague. Quoi, toi? Il se cache. Bon, j'ai pas le temps de prendre des trucs. Ouais, y'en a pas mal. Hein. Je comprends quand même prendre des balles parce que. Je me retrouve à court, moi. D'accord. Éteindre. Ils vont pas être contents. De toute façon, je l'avais déjà éteint et les monolithes l'ont rallumé. Ouais, c'est clair. Oh non, c'est clair. Les psys, les contrôleurs, ouais, il faut les... Bah quand on regarde tout le monde un peu, à part les premiers mobs. Y'a rien d'éteint, là. Non, j'ai plus de piles. C'est éteint?
en sauvegarde. Bon, apparemment c'est éteint, mais je suis pas sûr. Ah putain, il y a l'arme qui est passée à travers. On en est là. Ceux qui connaissent le jeu, est-ce que vous connaissez la quête péché mortel, sombre croisade ou péché mortel, hospitalité du Nord? Le péché représente une menace considérable pour l'ensemble de la communauté des stalkers. Faites ce que vous pouvez pour les arrêter. Et là, une voix télépathique vous a appelé à l'emplacement des mythiques stalkers. Enquêtez. Ah, j'enquête. Je veux dire que j'enquête. Déjà on a éteint le monolithe. Le loboisateur. Lobo. Vous les connaissez pas? Moi je viens d'où là? Pas ici. Enfin, je vais les revoir deux secondes. Bon, de toute façon j'ai baissé le levier même s'il n'y a rien qui s'est passé. Normalement je l'ai éteint. C'est ici qu'on éteint le bobisateur. J'enquête. Là il y avait un papier à récupérer, je sais pas où. On l'a récupéré. On ne remonte pas. Je serais capable de remonter. En plus, il n'y a plus de monolithe. Il y en a peut-être qui vont se ramener. C'est vrai. Je fais plus gaffe avec le bruit et tout. Je t'avoue que... Mais c'est vrai. Sauvegarde. Peut-être en sortant on aura une réponse à notre question. Ma race. Mais pourquoi je suis mort? Ouais, à la première... la deuxième fois, j'étais obligé de retourner. Mais je l'ai récupéré, oui. Alors, on va regarder, pour être sûr, parce que tu me fais peur. Il était sur la passerelle, de l'autre côté. Où tu dois le désactiver, mais de l'autre côté. Je suis mort de quoi en fait là? Je suis mort d'un coup. Ça s'appelle comment? Tu connais le nom? Les papiers des monolithes. Base. Se passe quoi là, hein? En train de mourir d'asphyxie. Faut que je le sorte plus vite possible.
Attends, je vais essayer de me planquer quelque part, voir qu'est-ce qui se passe. Mais normalement, je dois la voir. Pourquoi je meurs comme ça là? Y a du gaz? Ah, c'est ma tête! C'est ma tête! C'est ma tête! Si je prends un autre bandage, ça me le met plus ou? Alors, le document. Ça, c'est pour le labo secret des monolithes qui est bugué dans cette version là. Là j'ai le labo X19, hein. C'est pas celui-là. Hein. Document de l'émetteur arc-en-ciel. Après c'est on les a déjà vus. Et après j'ai celui-là. Là je l'ai eu dans la tour psy. Attends, on va les voir, attends. De toute façon on a 2 secondes. Je préfère aller voir tout de suite que plus tard. Pas comme si on n'y était pas. Merde. En bas normalement il y a un artefact. Mais je m'intéresse pas aux artefacts. Je sais que c'est la base d'anomalie, mais ça m'intéresse pas. Il y a du trou dans le sol. C'est dans la tour psy ça. C'est dans la tour psy. Ouais, je l'ai eu. Mais normalement, il y a un document ici. Regarde, là, c'est où tu l'éteins. Ici, je crois. Ici ou là. Il y a un document là. Et je l'ai pris aussi normalement. Bah je l'ai quoi. Non normalement c'est bon, on les a. Bizarre qu'il y a personne. Ça veut dire que c'est la tour monolithe. Oh putain, la tour lobomilisateur, je sais pas comment on dit ça. Qui contrôle les qui contrôle les contrôleurs. Ah non non mais t'inquiète, y'a pas de soucis petit cornu. Non, on est d'accord. On est d'accord. Ok. Mais pourquoi je dois retourner dedans que les monolithes ont pris cette contrôle, ont pris le contrôle d'ici? Oh putain, j'ai oublié. Aïe aïe aïe. Elle a pris le même chemin que moi. On va se calmer ici. Ah, le lobo... lobotomisateur, zombifie les stalkers, ok.
qui n'ont pas la protection psy. Ok, ok, ok. C'est pour ça qu'on voit autant de zombies, quoi. Je pensais que avec les monolithes, je sais pas, ils avaient fait un truc pour contrôler les contrôleurs. Mais c'est quoi les contrôleurs? C'est pas des monolithes transformés en contrôleurs? Et ça serait les péchés qui les je sais pas, qui les transforment, ou c'est des gars des péchés, je sais pas c'est quoi. C'est que des mutants, quoi. C'est des mutants à part. Ok. J'ai fait un vœu et j'ai dit que tous les humains soient maudits. Du coup, tous les humains se sont transformés en contrôleurs. Ouais, comme ici, quoi. Alors, je sais plus par où je passe. Je crois qu'elle est ouverte. Ah merde. Ah, c'est là. C'est là. Ah, je viens d'où, moi? Je sais plus d'où je viens. Bah, en fait, tu pouvais faire que deux vœux. J'ai appris que tu pouvais faire les autres vœux, mais la sauvegarde, elle saute. Tu peux la rechoper, la sauvegarde. T'as une sauvegarde où si ça crache, tu peux la reprendre. Bon, ça tu le sais seulement après, quoi. Attends, lui je comprends plus rien là. Tu dois pas prendre l'ascenseur quand même. Bah c'est bloqué. Là c'est où on descend. Non mais je viens pas d'ici, moi. Ah si. Autant pour moi. Pas tout le monde que j'ai dû tuer. Ouais, comme j'ai dit que tous les humains soient maudits, bah du coup ils se sont un peu tout transformés en contrôleurs. Sans exagérer, je sors, j'ai 10 à 20 contrôleurs d'or. Peut-être pas ici parce que je l'ai nettoyé, mais... Ça m'a déjà arrivé, quoi. Facile. Et on sort. Par contre, j'ai pas fait le nettoyage dehors. T'es un peu pressé de rentrer, en dehors ça va être Bagdad. Hein.
Ouais, t'as deux choix de vœux où ça crache pas, mais en tout t'en as cinq. T'as le choix d'avoir toutes les richesses, c'est vraiment le vœu que j'aurais bien voulu faire. Parce que apparemment on aurait pu aller dans le labo secret des monolithes. Bon, j'y ai été, j'ai dû clip, monoclip, monoclip. J'ai dû, comment on dit ça? No clip. Pouvoir y aller. J'ai juste été visiter quoi. Bon, on n'a rien pris de spécial, il n'y avait rien de façon. Y avait celui-là où tous les humains étaient corrompus, je sais pas quoi. Je sais plus, il y avait quoi comme vœu. Que la zone disparaisse. Ou à l'endroit de Tchernobyl. En gros, tout ça disparaît. Peut-être un peu plus, je sais pas. C'est écrit que la zone soit détruite. Et après, encore deux vœux. Moi, je sais plus du. Je sais plus. C'est ça. Si t'as pas désactivé. Merde. Si t'as pas désactivé le lobo misateur, tu peux pas passer la forêt rouge. Tu peux pas aller là, au-dessus là, à Lindmark, je sais pas comment on dit. Toute cette zone-là, elle est bloquée, quoi. Tu peux pas aller plus haut. Non, j'en ai testé que deux. Ah ouais, t'avais un choix où t'étais invincible. T'avais le choix d'être invincible. Moi, je pensais que ça crachait et puis j'ai pas testé plus loin, quoi. Mais en fait, tu peux la rechoper la sauvegarde comme je t'ai dit. Mais bon, là, il est trop tard. Je le ferai avec les monolithes. J'étais voir avec un monolithe pour faire un vœu. Je peux pas sauvegarder, c'est vrai. Il rigole pas. Il y a toujours l'ascenseur dans la forêt rouge, ça me dit rien. Pour la forêt rouge, je vais pas te dire que j'ai tout fouillé, mais j'ai fouillé au moins 80%. J'ai un exosquelette, hein. C'est pas comme si je me promenais à poil. Bah si, apparemment si. En fait, on dirait que la difficulté augmente avec le temps et avec les choix que tu fais. Et j'en suis pratiquement sûr. T'as je suis où là? Après, tu peux acheter des chemins aux vendeurs. J'ai pas acheté les chemins à vendeurs. Peut-être par là que tu peux y aller. J'essaierai de voir si je peux l'acheter. En fait, t'as des vendeurs où ils te vendent pas mal de chemins. Après, je vais préférer les débloquer avec les quêtes. Mais là, ça y est, les quêtes sont finies et je pourrais peut-être acheter qu'est-ce qui me manque.
Tu sais où c'est, toi? On peut y aller voir, hein. Tu vois, c'est où l'ascenseur? On va voir. Attends, est-ce que je peux me TP d'ici? Je me barre, hein. Je suis pas obligé de les tuer ceux au-dessus. Est-ce que je suis vraiment obligé de tuer tous les monolithes qu'il y a sur la carte? Et qu'est-ce que je suis en train de me dire, hein? Quand je vois cette quête là, celle-là plutôt. Après ils me disent les péchés, ils me disent pas les monolithes. Les monolithes sont contrôlés par les péchés. Bon, c'est un petit peu le même, hein. Ici, au pont. Je suis pas passé par un tunnel, par les égouts, mais... Ah, c'est peut-être le début. Dans le 2, j'ai baissé le pont. Et je suis devant... un tunnel, mais je sais pas si c'est les égouts. Le pont et la forêt. Ouais, ça doit être entre le pont là, dans ce coin là quoi. On va les voir. Je sais pas si je dois les tuer, les monolithes. Yo, bah je remonte par là. Le route qui fait un cercle, ok. Attends, on verra quand on y sera là-bas. Ce sera plus simple. Devant moi. Comment ça va être chaud de partir ici? Moi aussi. Non, c'est faux. Franchement, je dois avoir plus chez moi. Il y a plein de trucs que j'ai pas vendu, j'ai pratiquement rien vendu. Tous les trucs que j'aurais vendus, ça m'aurait permis de survivre en survivant. Là, je suis en normal, je suis en vétéran, pas en vétéran, en stalker, difficulté stalker et économie normale. J'ai pas voulu galérer avec l'économie. Après, j'ai rien vendu. Quand on regarde, ça revenait un petit peu pareil. Après, c'est beaucoup moins cher aussi. Plus de balle. Qui l'a lui? Ouais, je sais.
Je sais, petit cornu, mais plus fort que moi. C'est l'instinct du chasseur. Du couteau. Ah, j'ai pas de balles. Ah, j'ai fouillé. Je suis à la fin du jeu, petit cornu. La map, je l'ai retournée dans tous les sens. J'ai même été dans des endroits où on pouvait pas y aller, comme je t'ai dit. J'ai carrément noclip les murs, les portes. Juste pour aller voir c'est quoi. C'était voir. Pour aller voir c'était quoi. Bon, bien sûr, j'ai des trucs que j'ai pas vus, hein. Mais je l'ai retourné la carte. Hein. On va dire, je sais qu'est-ce qui est fouillable, intéressant et qu'est-ce qui est pas fouillable. Là, mon niveau, il n'y a pas beaucoup de trucs intéressants. Bon, tu peux toujours fouiller pour te faire plaisir. Un petit bandage par là, un petit truc de soin par là, des petites balles. Mais là, je veux, c'est la fin du jeu, moi. Je vais pouvoir commencer ma run en monolithe. J'ai déjà un peu commencé. Là, monolithe, j'ai mis tout en hard. Vétéran et tout. Mais en monolithe, je pense qu'au début, tu dois galérer. Mais après, ça doit être un peu plus facile. Oh, je sais pas. C'est au début que ça doit être galère. Je m'en sers pas des anomalies. Comment ça, l'anomalie téléporte de la forêt rouge? Ça me dit rien. Après, il faut voir sur Gamma s'il a été mis ce truc-là. Mais ça me dit rien. Ça me dit rien du tout. Bon, je les tue pas. On va aller voir là-bas de toute façon. On va y passer. En espérant qu'il n'y ait pas trop de contrôleurs parce que... Là justement je suis en train de faire les vraies versions pour savoir qu'est-ce qui manque dans Gamma. Je vais me faire défoncer. Ouais, je vois lesquels. Comment j'aurais dit les sangsues, moi, le nom? Non, c'est pas les sangsues. Attends, on va regarder. Je vais essayer de me TP, de toute façon, je pense pas que je dois les tuer, eux. Au pire, on en reviendra les tuer. Attends, est-ce qu'on peut déjà se TP? Il
Ah, ça c'est les sangsues, les sangliers, les chats, contrôleur, corbeau. Ah, je crois que c'est écrit facture. Facteur. Les smokes. Ouais, y'a moyen de stepper. Pour ça, ça fait chier de les tuer. Sans savoir si je suis vraiment obligé. Je serais obligé de les tuer, mais je les tuerais. Mais je sais pas. Je pense pas. Le principal, c'est d'avoir éteint la tour. On a été voir déjà dans la tour psy. Bah, c'était éteint. Y'avait rien de à faire normalement. Ça, c'est dans la nouvelle tour. La nouvelle tour. C'est l'endroit au nord de Tchernobyl. Vas-y, on va se TP. Voir si c'est possible. Par contre, je vais retourner à la maison. Ah, c'est pas possible, attends. Si c'est possible. Ouais, je l'ai fait cette quête. Ça, je l'ai su bien après. Mais ouais, c'est super. Me reprendre des balles. Apparemment, j'ai des bonnes nouvelles pour Stalker 2. Il y a un nouveau trailer qui est sorti hier. J'avais entendu des mauvais trucs. Mais apparemment, bah, s'ils sortent un trailer, on chaud quoi. J'ai rien ramassé, tu me diras, c'est vrai. Ну привет. Ну привет. Artefacts, j'en ai plein là. Bah ça restera là. Hop, ça c'est pour moi. Ouais, c'est qu'est-ce que je me suis dit. J'avais une armure beaucoup moins puissante, bah pas une exosquelette et je m'en sortais beaucoup mieux. Bouge des balles, hein. Rien à foutre. Putain, hein. Des cartouches. AP. Sérieux? Bon,
tout le reste on va le garder. Hop, c'est bon. On va l'acheter des balles. Si t'as jamais testé Gamma, mais t'es pas prêt hein. Si t'as pas testé Gamma, t'es vraiment pas prêt. T'as plein de trucs à crafter. Attends, je vais te remontrer, on a le temps, 2 secondes. Alors tu vas dans l'atelier. Ça c'est tous les dispositifs pour détecter des anomalies, détecter plein de trucs. Après je m'en sers pas spécialement moi. Ça c'est des boîtes où tu peux stocker les anomalies. Il devait peut-être avoir avant. Le PDA, tu peux l'évoluer. Tu peux évoluer ta lunette. Il y a des contrôleurs pas loin. Tu commences au début avec un petit sac tout pourri comme ça. Et tu l'évolues. Ça, c'est un sac de couchage où tu peux t'endormir. T'as des tentes où tu peux t'abriter quand il y a une tempête. Bon, après, je te dis sûrement des trucs que tu sais, mais je le dis quoi. Là, c'est tous les boîtes, tous les caisses qui te permettent de crafter, de réparer tes armes. Parce que sur chaque mob que tu vas trouver par terre, chaque perso quoi, les armes ils seront mortes, ils seront pas réparés comme ça. Tu vas les retrouver comme ça quoi. Toi, à moitié morte, bah toute morte. Mais grâce à ces pièces là, parce que les pièces des armes sont changeables, tu peux les changer, tu vas pouvoir la réparer. Il te faut les pièces qui te manquent. Et après t'as ça pour pouvoir la réparer. L'armée Rift. Et t'as des armes de fou hein, regarde. Voilà. On va prendre pour voir. Là-dedans j'ai plus rien, en haut c'est des chargeurs. Bon après je me suis pas servi de beaucoup d'armes comme c'est beaucoup, c'est compliqué à modder. Comme il te faut les pièces, il te faut tout. Bon j'en ai quelques-unes quoi gars. Là il faut tous les réparer. Un SVD, t'as tout comme arme. Celle-là. J'aime bien celle-là. Putain d'M4. Mais les balles, je peux pas en avoir comme ça, faut que je les crafte. Parce que tu peux crafter tes balles. Hein. Tu peux tout crafter. C'est pas compliqué. Là c'est les pièces pour pouvoir améliorer tes armes, tes armures. Là c'est tout qu'est-ce qui est médical. T'as tout hein. Pour tous les maux. Là tu peux crafter tes munitions. T'as un peu tout. Tu peux poser des mines, tu peux...
Bah, c'est tous les artefacts. Ceux qui sont intéressés, ma... c'est tous les artefacts. Ça, je sais pas trop c'est quoi. Je crois que c'est des conteneurs pour ranger l'artefact en question, mais je suis pas sûr. Ça, c'est des petits plus. C'est des rangements. Des boîtes de stockage. Ça, c'est l'atelier. Le mieux, c'est de faire l'atelier, quoi. Il faut pas faire autre chose. Il faut faire l'atelier. Que du bois et de la ferraille qui demande. Le Red Gun. Ah, je sais pas, ça me dit quelque chose, mais je sais pas si. Je sais pas. Alors, on va aller en plus en profondeur. Et Hermiton, t'as ce sac là. Il dit ouais, je vais évoluer, j'en ai marre. Prends ça. C'est le sac au-dessus. Non, c'est où le sac d'au-dessus? Je sais même pas où il est. C'est pas celui-là? C'est celui-là? C'est pas celui-là. Il est où? C'est le premier sac. Ah si, c'est celui-là, gars. Voilà tout qu'est-ce qu'il te faut. Il faut 7 fils à coudre de base. Il te faut le sac en question. Il te faut du textile durable et des morceaux de tissu. Plus l'outil de base que tu trouves dans les planques. Et là, ça te permet de crafter le sac. Et puis tout pareil, hein. Tout pour tout, c'est pareil, quoi. Franchement, c'est... Et ces balles-là, tu les as que sur les mercenaires ou les militaires. Après, certaines armes où tu peux améliorer, tu peux changer de canon. Mais bon, pas pour la M4. T'imagines pas, le jeu a un potentiel de... Dis-toi qu'il était fait par des fans. Bah, modé par des fans. Et les fans sont pas là pour l'argent. Bon là parce que... Ouais, ça c'est une deuxième boîte que rangement. Faut rien d'autre moi. C'est la bouffe. Bon, regarde, on va te faire vite fait le... ça là. Ils ont rajouté ça, c'est un piano. Tu peux jouer n'importe quoi. Faire ça vite fait. Et plus. C'est infinité. Alors là c'est toutes les pièces d'armes que j'ai rangées. J'en ai déjà pas mal. Hein. C'est pour ça dedans je suis plus à plus de 400 000. Hein. En valeur je suis plus à 400 000. Largement. Hein. Bon bien sûr, plus que tu mets de loot, plus que tu risques d'avoir des petits freezes quand tu rentres dans la base. Ah, c'est pas méchant. Время дорого, рассказывай. Lui pour 1008, il te soigne. Ça te coûte beaucoup moins cher. Ouais, non, c'était des indés. C'était des indés. Après, je sais pas trop pourquoi c'est parti... Ah, je sais qu'ils ont fait faillite. Je sais pas trop pourquoi. Non mais quand je dis ça, c'est que le jeu il a été repris par des fans. Oh, il peut pas... Ça peut être que bon quoi. Tous les chargeurs que tu peux acheter des skins pour les armes. Bah pas pour tous les armes mais pour certaines. Non pas certaines. Certaines c'est des balles. Pour certaines armes. Les silencieux et tout. Petit couteau. Reoni. À 16h.
existe-t-il en français dans les options? Tu veux jouer ou... Applique, sois sûr que t'as appliqué et quitte le jeu, relance-le. Mais normalement t'as pas besoin de faire ça. Bon, nous on est prêt à partir. Une petite clope. J'aurais pas volé. Je me suis arrêté au matin pour pas trop avancer quoi. Là je suis pas trop loin. De toute façon on va s'arrêter là.